Good morning, allez, Iden, nous étudions aujourd'hui Masechet Megillah, Perek Gimel, Mishnah Gimel, Veod Amar Rabbi Yehuda, Bet Akneset Shecharav, En Maspidin Betocho, Ven Mavshilin Betocho Chavalin, Ven Porosin Letocho Metzudot, Ven Shotchin Al Gago Perot, Ven Osin Oto Kapandario, Sheneemar, Vashimoti Et Migdeshechem, Gdushatan Avkshen Shomanin, Alubo Asavim Loit Losh, Mipene Ogmat Nefesh. On continue, dernière Mishnah qui parle de la Gdusha des Bet Knesset. Qu'est-ce qu'on fait avec la Gdusha d'une Bet Knesset? Alors, jusqu'à maintenant, l'Efbet, c'est quand on a vendu, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a reçu, qu'est-ce que l'acheteur peut faire. Maintenant, on va s'intéresser avec Rabbi Yehuda qui a dit encore une halakha, Bet Knesset, Shechav, une Bet Knesset qui a été détruite, qui s'est effondrée, peu importe. Ouais. Eh bien, ça fait que maintenant, une Bet Knesset, en général, c'est un endroit qui s'étend sur un grand espace. Et du coup, on a envie d'utiliser cet espace pour faire plein de choses. Il y avait avant la synagogue. Mais non, la synagogue a été détruite, on l'a plus reconstruite même, on a construit ailleurs. Du coup, elle est restée comme ça, en ruine. Et bien, malgré tout, on aimerait bien utiliser tout cet espace pour en faire quelque chose. La Mishnah va dire, tu peux rien en faire. En l'occurrence, En Maspidin Betocho, on ne pourra pas l'utiliser en lieu de réunion pour faire un esped, pour faire une raison funèbre à quelqu'un qui est décédé, entre parenthèses, ça signifie qu'on n'a pas le droit de faire une raison funèbre dans une Bet Knesset. Les commentateurs, ils rapportent ici le Tiferet Israël en dessous, ils rapportent que c'est uniquement pour quelqu'un de simple, pour quelqu'un qui est d'une famille importante, de la Kila, on a le droit de le faire, surtout c'est un Talmid Chacham encore plus. Et donc, En Maspidin Betocho, donc on ne pourra pas faire des spedim dedans, Ven Mavshinin Betocho Chavin, on ne pourra pas tisser dedans des cordes. Parce que quand on tisse des cordes à l'époque, allez, vous savez comment ça se passe? Les fils, ils sont tressés. Il faut tresser plusieurs fois, et puis après, on tresse ensemble les fils, c'est ce qui fait toute la force de la corde, de la ficelle. Donc on a besoin d'un grand espace, comme ça on peut s'amuser à bien les... On a un grand espace, on peut tirer des grands fils pour les tresser. Et bien, la Mishnah a interdit de le faire dans la Bet Knesset. Ça, c'est donc mafshil chavalin, être tressé des cordes. Ben porsin le tochom metzudot, aussi, on ne pourra pas mettre dedans des pièges à oiseaux, puisque, imaginez, un grand espace vide, l'endroit rêvé pour les petits oiseaux. On aimerait bien venir maintenant mettre des pièges à pigeons, par exemple. Eh bien, on n'aura pas le droit de le faire. V'en shotrin al gago perot, on ne pourra pas non plus étendre sur son toit des fruits. Ça signifie que même le toit de la Bet Knesset est de Mugusha. Or, pour étendre, de mettre des fruits à sécher, imaginez des figues, par exemple, des dattes, eh bien, on a besoin d'un grand espace tranquille. Et on ne pourra pas le faire sur le toit de la Bet Knesset, même si la Bet Knesset a été détruite. Ben aussi notre kapandaria, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour en faire un kapandaria, un raccourci. Kapandaria, ça vient du mot ademakifna, dare, leulbea. C'est un mot contracté, kapandaria, ademakifna, dare, kapandare, leulbea. Je vais passer par lui. Jusqu'à que je vais faire le tour, je vais passer par là. Vous savez que dans une synagogue, on n'a pas le droit de raccourcir un raccourci en rentrant dans une synagogue. Ouais, c'est fréquent du côté de chez moi, très fréquent. On est d'un côté de la synagogue. Soit on fait le tour de tout le binyan, soit on rentre 30 secondes dans la synagogue et on ressort à sourd. Après, il y en a qui vont permettre, si on rentre dedans, qu'on s'assoit et qu'on dit un pasouk, ou qu'on dit une mishnah ou quelque chose. Après, c'est pas des discussions en général, c'est toléré. Chez Neymar, comme nous dit le pasouk, en rapport avec le fait que même lorsqu'elle a été détruite, elle garde sa gdusha, comme nous dit le pasouk, Vashim moti et migdeshechem, que Chazu Shalom, je vais dans les klalot, c'est écrit, que je vais détruire vos migdashot. Et de là, on déduit que gdushatan afkshen shomemin. C'est une tournure, c'est dans le Tosafot Yom Tov, il précise. Au lieu de dire Vet Migdeshechem Eshomem, la Torah nous dit Vashimoti et Migdeshechem, même lorsqu'ils seront Shomemim, ils resteront Kadosh. Gdushatan Afkshem Shomemim, leur Gdusha, elle est là, même lorsqu'ils sont Shomemim, même lorsqu'ils sont ruinés. Autre précision de la Mishnah, Alubo Asavim, Loit Losh. Malgré tout, imaginez maintenant des murs ont commencé à pousser des herbes. Vous allez me dire, bon, moi pour l'honneur de la Bet Knesset, venez, on va aller les couper. La Mishnah me dit, Loit Losh, il ne pourra pas les cueillir. Pourquoi? Mipno Ogmat Nefesh. Cette fois-ci, pour une autre raison. Pas pour l'Ogmat Nefesh, parce que si tu laisses la ruine délabrée, à se délabrer encore plus, les gens, quand ils vont passer, ils vont avoir pitié encore plus, et ça va leur faire un pincement au cœur, et comme ça, ils vont débourser de l'argent pour la reconstruire. Alors que si tu vas commencer à lui couper les herbes, il y aura moins de peine. De là, on déduit de ces précédents de Bartenois qu'on a le droit de couper les herbes et de les laisser sur place. Ce qui est interdit, c'est de les couper pour les donner à manger, pour les supprimer, les donner à manger aux animaux, peu importe. Que dans ce cas-là, on a un intérêt à ce que l'état délabré de la Bet Knesset soit franchement bien délabré aux yeux de tous. Comme ça, tout celui qui va passer à côté, il va prier pour qu'Hachem lui reconstruise la Bet Knesset, ou soit même, s'il a les moyens, débourser de l'argent pour la reconstruire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous savez.